Vous connaissez le petit dicton « Nul n'est prophète en son pays ». Il est directement inspiré de l'évangile de ce jour. Nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai que les prophètes d'aujourd'hui, qui nous bousculent, qui nous dérangent, on ne les aime pas trop. Et pourtant, le pape François, quand il nous interpelle sur l'écologie, et depuis longtemps, d'autres encore, quand il dénonce l'économie non régularisée qui semble bien s'emballer et gripper ces derniers temps. Nul n'est prophète en son pays. Mais de quel prophète s'agit-il? Écoutons Jésus quelques secondes plus tôt dans la synagogue de Nazareth. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé proclamer la libération, le salut. » Voilà la plus belle des prophéties, voilà la plus belle nouvelle de l'Évangile. Christ est bien celui qui nous libère, aujourd'hui et maintenant. Osons accueillir cette belle prophétie. Osons accueillir le Seigneur Jésus, le prophète qui vient nous visiter.